Salut vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Junior Bouffé à papier N2, 2 novembre 2020. Alors, sans plus tarder, passons aux questions numéro N. Alors ici, nous avons des affaires. Nous avons évalué 4 lots 5 retirés de lot 3. C'est une fraction retirée à une autre fraction. Mais ainsi, nous avons réalisé que nous avons observé qui nos bases, nos dénominateurs sont différents. Dans le cas de différents, nous avons fait ce film pareil. Alors, comment se faire? Nous avons commencé par multiplier les autres par les autres mêmes. 5 fois 3, c'est 15. Là, nous faisons cross multiply. 4 fois 3, c'est 12. Nous avons retiré ici, 5 fois 2, c'est 10. Alors, 12 retiré à 10, 2. 2 le 15 pour ta réponse par GIA. Okay. Alors, c'est à partir B. Nous allons évaluer sa multiplication. Hein. 2,7 multiplié par 0,2. Alors, première étape, c'est nous allons ignore decimal place. Ça veut dire, nous faisons comment dire, nous avons 27 multiplié par 2. Fais-toi combien? Fais-toi 54. Mais assez ici, nous avons un decimal place. Ici, nous avons n decimal place. En tout, nous prenons des decimal places de compter. Depuis là, n, d. Alors, ta réponse, Louvine, 0,54. Ça, c'est pas JB, ta réponse. Alors, passons à la question numéro 2. Nous avons find the fraction that which lies exactly halfway between 3 lots 5 et 5 lots 7. Ça veut dire, nous avons une fraction qui est exactement au milieu de là. Alors, comment on retient ça? Très facile. Nous allons faire 3 lots 5 plus 5 lots 7. L'étape numéro 1, nous faisons ça. Alors, encore un côté pareil, nous venons une fraction plus une autre fraction, mais sur une base différente. Nous allons faire une pareille. Alors, 5 fois 7, c'est 35. Et nous faisons cross multiply. 3 fois 7, fait 21. Plus là, plus. 5 fois 5, c'est 25. Fais-toi. 21 plus 25, fais-toi 46. Divisé par 35. Alors, ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est. Nous prenons ça. Nous faisons divisé par 2. Pour une route exactement au milieu. Halfway, halfway, half. Divisé par 2. Fais-toi. 46, le 35. Fois. Half, ça veut dire divisé par 2. Simplifié. Divisé par 2, n. Divisé par 2, fais-toi 23. Réponse Louvine, 23 lots 35. Assez, question numéro 2, 23 lots 35. Assez, passons à question numéro 3. Nous allons factorize ça, équation-là. Ça veut dire, nous allons appliquer bracket. Nous allons mettre bracket dans l'équation-là. Mais ça nous a réalisé qui ici nous avons t, ici nous avons t square, nous avons t common, nous avons t numéro 1. L'étape numéro 1, nous prenons 12 t resté, la tirer 4. Mais à ce que nous connaissons, 12 c'est quoi? 12 c'est aussi 4 fois 3. Ça veut dire 4 et 4 t common, nous sommes capables de tirer 4 t. Alors nous prenons 4 t, nous pouvons rester 3 t. Retirer n. La réponse, partie A, c'est ça, factorization. Restez partie B. Nous avons factorisé ça. Alors, regardez ce que nous n'avons pas fait. Par observation, nous trouvons nous avons une affaire qui est très intéressante ici. C'est nous avons x retiré y ici. Mais ici, nous avons y retiré x. Mais nous n'avons pas fait les films pareils. Comment? Par exemple, nous n'avons pas fait comment? Fait comment dire maintenant? Retirer A. On va faire en l'avion. Comment tu fais avec A? Tu peux mettre retirer de haut, l'avion retirer A. En dans l'avion positif, par exemple. Donc, les mêmes affaires, mais nous faisons en dans l'avion différent. Même affaire ici. Ainsi, c'est un exemple. Nous prenons A, X, retirer Y. Et si tu retirer de haut, retirer B, on a pour vin X, retirer Y. C'est l'autre façon pour écrire ça. Alors, si mon vis sans position, si mon vis tire retiré de haut, nous pouvons x retirer 10. Si tu amènes ça en dedans, nous pouvons venir pareil, mais c'est une autre façon de réécrire
C'est une façon de réécrire ça en ça. Merci de réaliser qu'on écrit ça, nous prenons ça. Et que ça se pareil. Alors, nous pouvons factoriser de haut. Alors, factorize, ça de là, nous pouvons rester A, retirer B. Voilà, ça c'est réponse, partie B. À cette partie C, nous avons factorisé sa équation, on appelle la équation N, quadratic equation. Alors, pour mes affaires, nous allons mettre des braquettes. Qui fait? Quand on a x squared, nous pouvons faire des braquettes. Alors, x squared c'est x fois x, d'accord? Ici, on a 3. 3 c'est quoi? 3 c'est n fois 3. Alors, nous allons mettre 3 ici, mettre n ici. Mais nous devons retirer 2. Comment on gagne ça? Nous devons faire retirer 3 plus n pour gagner retirer 2. Alors, réponse, partie C, c'est ça, factorization. Ça, c'est question numéro 3. C'est-à-dire, passons à question numéro 4. Nous devons write these lengths in order of size, starting with the smallest. Ça veut dire, nous devons réécrire man size là, man valeur là, depuis plus petit jusqu'à plus grand. Mais si nous avons un problème, c'est qu'il nous besoin compose une unité différente, un kilomètre, centimètre, millimètre, mètre, une unité différente, nous ne pouvons pas composer. Nous devons faire une pareille, par exemple. Nous pouvons choisir, nous dire, bon, nous pouvons sans tout, faire une mètre, par exemple. Alors, nous connaissons un kilomètre, c'est 1000 mètres. Alors, 0,043, nous avons fois par 1000, 1, 2, 3, etc. 43 mètres. Ah, c'est 43 mètres. Et que ça, nous connaissons. Un mètre, c'est 100 cm. Alors, 433 cm. Pour faire les 1 mètre, nous divisons par 100, etc. 4,33. Alors, 4,33 mètres. Alors, ça là, nous allons connaître qui? Si je le fais en physique, ça vous connaît. Ça valait là, c'est 10 par moins 3. Mais bon, de toute façon, on est obligé de connaître qui? Un mètre, c'est 1000 millimètres. Alors, je t'avais 11 millimètres. Fais les vignes. Mètre, nous avons divisé par 1000. Fait 4,34. Alors, 4,34 mètres. Finalement, ça c'est 4,333 allièmes. Donc, comparer laquelle est plus petit? Laquelle est plus grand? Alors, ça devient plus petit. Alors, ça, première valeur, c'est 4,433 cm. Ça va aller là. Et là, après, nous pouvons gagner ça là. Fais-toi. 4, 1, 2, 3 mètres. Et là, nous pouvons gagner ça là. Fais-toi. 4, 3, 4, 0 mm. Et que ça, 0,043 km. Pour la valeur finale. Alors, ça, c'est la question numéro 4. Restez passons à la question numéro 5. Sandra buys a vase for $40 and sells it for $200. Nous allons calculer sur percentage profit. Ça veut dire, Sandra a acheté un vase pour 40 $, 40 roupies, et qu'elle vend ça pour 200 $. Son selling price, lui, 200. Son cost, son buying price, lui, pour 40. Nous aurons percentage profit. Alors, nous avons une formule là. Alors, percentage profit, c'est profit divisé par cost fois 100 pour percentage. Alors, nous avons ça. La profit des profits, c'est selling price, retiré, cost divisé par cost fois 100. Fais-toi. V retiré 40, c'est 160. Ouais. Et divisé par 40 fois 100. 0, 0 coupé, divisé par 4, fait un n, fait un 4. Réponse vient, 400%. Ce profit est pour 400% profit. Ok, ça c'est réponse partie 5. À cette question numéro 6. These are the minimum temperatures in degrees Celsius recorded by a weather station each day during 1 week. Ça veut dire avoir une température qui est une station météo mesurée pendant une semaine. Assez pour mes affaires, ce que nous avons fait, nous avons réarrangé, rearrange une température là,
depuis in ascending order, ça veut dire depuis plus petit jusqu'à plus grand. Alors, je fais un poème. Alors, plus petit de bouquin 100 là, alors, retirer 4,6. L'élan de poignard 100 là, retirer 3,5. L'élan de poignard 100 là, retirer 2,4. Après 100 là, retirer 2,3. Ensuite, retirer 1,4. Retirer 1,2 et finalement retirer 0,7. Alors, nous allons réarranger depuis plus petit jusqu'à plus grand. In ascending order pour nous faire une question là. À cette partie-là, nous allons find the range de sa bonne température là. Alors, comment tu find the range? Range, les define par highest temperature minus lowest temperature. Alors, comme nous avons au-delà ici, nous avons au-delà ici, highest est pour là, est pour 0 point. Retirer 0,7, retirer, l'OAC, retirer 10, 4,6. À ce nous comprend que nous avons retiré, retiré, il fait une plus, alors nous pouvons gagner. Retirer 0,7, plus 4,6. C'est même chose qui 4,6, retirer 0,7. Alors nous faisons ça ici. Alors nous pouvons gagner 3. 10 retiré 3, retiré 7 c'est 3, 3 plus 6 c'est 9, donc 3,9. Alors la réponse c'est 3,9 degrés Celsius. À cette partie B, how many of these temperatures are between retiré 4 et retiré 2? Alors, combien de sa bonne température là est au milieu, elle est entre retiré 4 et retiré 2? Alors, très simple. Ça. Libou DO, pas bon. Ça, libou OK. N. Ça, libou aussi OK. 2, 3. Libou DO, DO avec DO. Réponse C, N des 3. 3 températures, libou au milieu. Ça, des températures là. OK? C'est question numéro 6. C'est passons à question numéro 7. Et toi? By writing each number correct to one significant figure, estimate sa fraction. Alors, très simple, n pour n. Nous avons écrit dans le terme de NSF. Alors, ici, nous avons 6,044. Alors, pour commencer, nous ignore her power là pour l'instant. Alors, nous réécrire en termes de 1SF. Alors, première affaire, comme nous avons 1SF ici, nous quittons le premier là en place pour l'instant. Et nous demandons si. Demande-nous-mêmes si ce chiffre ici-là, est-ce qu'il est plus grand ou égal à 5? Réponse est non. Sinon, nous laissons en place 6. Là, nous convertissons les restes vers les 0. OK? Alors, nous refaisons notre exemple. Ici, nous avons 2, 1, 2. Alors, comme nous avons 1SF, nous laissons pour là en place. Et nous demandons aussi, ça là, est-ce qu'il est plus grand ou égal à 5? Réponse est non. Nous sommes lits, ça les reste en place. Son zéro fait les mines 0. Pareil ici, nous prenons 0,304. Mais c'est une exception. Si nos numéros commencent par 0, nous ne pas prendre les comptes. Nous commençons par ça là. Moins la SF, nous laissons ça en place. Nous demandons si ce numéro-là est-ce qu'il est plus grand que 5? Réponse est non. Alors, nous sommes les restes fait les mines 0. 0,300. Ainsi, nous remplaçons tout dans nos fractions. Là où nous prenons 6 square. Divisé par 100 fois 0,3. Donc, 36 divisé par 100 fois 0,3. Étape par étape, divisé par 2. Donc, 100. Donc, 18. Ensuite, on va faire divisé par 3. Donc, 0,1. Donc, 6. Donc, nous avons 0,1 multiplié par 100. Fait combien? Alors, par exemple, 0,1, c'est n divisé par 10. Nous ferons avoir 100, couper, couper, fait 10. En réponse, c'est 6 log 10. Réponse win, 0,6. Alors, estimate pour win, réponse win, 0,6. Soit tu peux avec la fraction aussi, tu fais 3 log 5. Alors, réponse, tu peux faire 0,6, soit 3 log 5. Alors, ces réponses, c'est estimate mon numéro là, en termes de 1SF. Et nous retenons ça, fraction là. Pas ça, soit ça, tout comme de réponse. C'est question numéro 7. Alors, ça passe à question numéro 8.
Alors, in the diagram, the time on the clock is 2:30. Ça veut dire le temps dans sa clock là, il est 2h30. Ok? Ainsi, nous avons calculé the reflex angle between the two hands. Alors, pour mes affaires, quel est le reflex angle? Reflex angle, c'est un long qui, plus qui, 180, mais moins qui, 360. Nous avons ça. Alors, numéro de sa langue ici, là. OK? Alors, comment numéro de ça? Nous avons pensé cette étape par étape. Pour mes affaires, nous connaissons. Si nous faisons un cercle entier, sur l'angle pour 360. D'accord? Ainsi, nous allons compter combien de parties nous divisons nos cercles. Nous pouvons dessiner. Par exemple, si nous faisons ça ici. Nous faisons ça avec ça. Par exemple, nous avons l'idée qui peut arriver. Ça veut dire, nous devons, si nous divisons ça également, nous prenons n pour n, d, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous prenons 12 égale secteur qui nous divise nos cercles. Alors, c'est un secteur-là, comment vous pouvez dire? Nous pouvons faire 360 divisé par 12, c'est 30 degrés. Okay? C'est un grand angle pour 30. Mais nous pouvons pas mesurer l'angle ici-là. Pour commencer, la langue réflexe nos réponses là. On regarde sa langue ici là. Fais-toi. N, D, et autant. Ça me dit là, fais-toi combien? 30 plus 30, 60, d'accord? Et que ça, fais-toi combien? Pareil, 30 encore. Fais-toi 90. Et qu'ici, nous avons la moitié parce qu'il est pour 10h30. Quand tu regardes l'heure, il est 10h30. Ton petit aiguille, il est pour exactement au milieu. Alors, langue ici là, l'ibouvine. 15. Alors, 15 plus 90 fais-toi combien? N05, sorry, c'est N05 pour l'angle ici-là. Mais ça, c'est pas ta réponse. Ta réponse, c'est l'angle réflexe, l'angle qui plus grand qui est de haut là, fais-toi 360, retirer N05. Fais-toi 5, 10, 5, 5 et 2. Réponse, souviens-toi. 2,55 degrés pour ton angle réflexe pour la question là. Alors, logique derrière quelque chose, c'est observer. Essaye de comprendre comment tu es capable de casser ta shape en partie et que nous devons comprendre qu'en tout, c'est un cercle sur l'angle, sur somme, il peut être 360. Et nous jouons avec un secteur, donc on va avoir l'angle là, n point n. C'est question numéro 8. Restez passons à la question numéro 9, partie A. Nous devons simplifier sa équation. Très simple. 3 fois 3 fait 9A. 3 fois retirer 4 fait retirer 12. Plus 4, retirer 2A. 9A, retirer 2A fait 7A. Retirer 12 plus 4 fait retirer 8. Réponse est 7A, retirer 8. Restez partie B. Given that 4x égale 3y, nous avons le valeur numérique de ça. Alors, très simple de remplacer. Et les affaires qui nous réalisent ici, c'est qu'est-ce qu'il y a? 8x. 8x aussi égale 2 fois 4x. D'accord? Mais nous connaissons 4x, c'est quoi? 4x, c'est 3y. Alors, nous allons remplacer ça dedans. Alors, 8x peut égale 6y. Remplacer, nous gagnons 6y plus y le y. Fais-toi 7y, long y, fais-toi 7. Réponse numérique, c'est valeur de 7, partie B. À cette question numéro 10, nous allons solver une équation simultaneous. Alors, nous avons deux façons pour retenir nos réponses. N, c'est par méthode élimination, et N, c'est par méthode substitution. Voilà. Mais moi, on préfère utiliser la méthode de substitution. Vous savez ça? Alors, pour mes affaires, faire y min subject, y pour égal 5, retirer, on va ça ici, 4x.
Ah, c'est mon équation numéro 1. Ah, c'est ici, nous prenons 3x retirer 2y. Mais y est aussi égal 5 retirer 4x égale 12. Ah, si nous avons simplifié n fois n, nous prenons 3x retirer 10 plus 8x égale 12. 3 plus 8, ça va être 11x égale 10, nous verrons ici 12 plus 10, ça va être 22. Alors x peut égal 22 divisé par 11 fait 2. Alors finalement, y peut égal 5 retiré 4, x est 2, 5 retiré 8 fait moins 3. La réponse, x pour 2 et y pour moins 3. C'est question numéro 10. Restez passons à question numéro 11. Alors, dans la partie A, nous avons express 340 000 in standard form. Alors, très simple, commencez par dire, nous, comptez n, d, 3, 4, 5, 3,4 fois 10 puissance 5 dans la partie A. À cette partie B, nous avons évalué cette fraction-là, giving your answers in standard form. Alors, étape par étape, nous avons cassé en deux parties. 4 divisé par 8 fois 10 puissance 7, l'eau, 10 puissance 21. C'est un point. Alors, 4 divisé par 8 fait 0,5, fait half, d'accord? C'est ici. Nous connaissons pas the laws of indices. Quand on a divisé, nous pouvons faire retirer 21. Alors, 21 retiré 7 fait 14. Alors, réponse revient 0,5 fois 10 puissance moins 14. Mais à ce que nous avons expressé nos answers dans standard form, ça veut dire que nous avons envoyé ce point-là, ici, dans 5,0 fois 10 puissance 15. Alors, 5,0 fois 10 puissance 15, c'est une réponse partie B. À cette partie C, nous avons le valet de K. Alors, étape par étape, ici, nous avons 7 fois 10 puissance A. Retirer 3 fois 10 puissance A moins N. Alors, pour mes affaires, nous devons comprendre que si nous devons faire retirer, mais comme nos puissances sont différentes, nous devons faire pareil. Alors, ça nous va sans N, nous devons avoir un 10 ici, soit un 10 fois 10 puissance A moins N, retirer 3 fois 10 puissance A moins N. Est-ce que la cause de puissance de 10 power puissance est pareil, nous pouvons faire retirer. Soit 10 retiré 3 fait 67, ça fait 10 puissance A moins N égale K fois 10 puissance A. C'est le valet de K, très simple. K bovine 67 fois 10 puissance A moins N divisé par 10 puissance A. Alors fait 67 fois 10 puissance A moins N moins A. Réponse 1. 67 fois 10 puissance moins N fait 67 divisé par 10 fait 6,7. Alors, valeur de K fait 6,7. À cette façon, question numéro 12, nous allons simplifier ça. Sa expression-là. Alors, par the laws of indices, nous prenons 2, 3, la même ça en ordre. X, 2, ramène ça en dedans. Fait 2 power 3 fait 8 fois x power 6, alors 8 x power 6. À cette partie B, nous allons simplifier ça expression. Alors n par n, nous prenons 6 t puissance 3 divisé par t le 3 t puissance 2. Alors ça très simple, ça fait aller n rester, nous prenons 6 divisé par d le 3 fois t. Mais ça plus facile encore. 6 divisé par d le 3 égale 6 multiplié par 3 le 2. Fait toi. Valet 9. Alors réponse est 1. 9 fois t, c'est ta réponse pour B. C'est question numéro 12. Alors c'est passons à question numéro 13. La partie A, nous avons un set de P. P, c'est une valeur entre N, D, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une valeur de P. Q, c'est N, 3, 5, 7, 9, 11.
À ces questions pratiques, route le nombre de valeurs qui, dans un set là, P union Q. Très simple, nous listons avant le point A, N, D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec 9 et 11. Alors, ces éléments dans tous les deux groupes sans répétition. Ça veut dire que nous sommes capables d'écrire N, mais seulement pas prendre tous les deux, nous prenons N seule fois. C'est tout bon élément dans deux groupes là, mais sans répétition. Donc on a N, D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, nombre de values, les pour 10. Deux éléments. Alors, petit B. P égale mon élément A intersecting B. Ça veut dire lire mon élément qui commande dans A et B. Q, mon élément qui. Il y en a A union B prime, ça veut dire mon élément qui déo un groupe là. C'est Q du coup déo un groupe là. P du coup au milieu là. Et c'est mon élément qui. A intersecting B prime. Alors, très simple, même point. In the Venn diagram below, write each of the letters P, Q and R in the subset. Très facile. Premier, P du A intersecting B. Alors A intersecting B du coup au milieu, un pour P. Alors A union B, ça veut dire A avec B, prime, ça veut dire DO. Fais-toi un Q. Là, c'est O, c'est A intersecting B prime. Alors, le point A là, intersection avec B prime DOB, fais-toi là. Là, ça c'est, tu vas aller seulement avec R. Là, ça c'est la réponse pour B, question numéro 13. C'est passons à la question numéro 14. This net is folded to make a triangular prism. Ok, ça veut dire nous faisons un net ici, nous coupons ça, nous faisons un triangular prism. Mais pour la question là, en fait, tu as besoin de servir ton imagination pour te réussir à sauver la question là. À cette partie-là, which vertices qui vont partir, qui vont pointer les zones avec A. À côté A, il est ici. Là, c'est de penser, nous pouvons fermer ça là-haut, fermer ça là-haut, fermer ça là-haut. Tu fermes ça là-haut, des besoins avec ça. Alors, même vertices, du coup, U avec G. Mais à quel genre, tu veux servir ton imagination. À cette partie B, qui edge, edge c'est bon, edge c'est ça, bonne longueur là, qui zone avec DE. DE c'est ça. Alors, pensez, ferme ça là-haut, ça monte là-haut, ça bouge comme ça. Edge, tu peux tout ça avec ça. Edge c'est AB. Ça c'est question partie B. À cette partie C, nous avons FH égale 2. FH égale 2 ici, ok. 2. GH égale 2. Égale 2. Et que JH égale 5, ça c'est 5. Ok. Nous avons le volume de nous, triangular prism. Alors très simple. Comment tu as le volume d'un prism? C'est area, plutôt cross-section, fois la length. Mais area d'une cross-section, c'est un triangle, si tu penses. Alors, area de ça, fais-toi, half, times base, times height, fais-toi, 2. Sur l'entité pour 5, nous fois pour 5. Réponse, souvent, 10. Alors, le volume de nos prismes, c'est pour 10 cm³. Alors, la question là, c'est très simple. Nous avons besoin de servir nos imaginations. Par exemple, si tu fermes ça, les pour fais-toi, nous fais une shape comme ça. C'est pour triangle ici. Et là, nous pouvons nous prismes. Alors, pour le volume, ça nous donne area cross surface, area cross section, fois sur length. C'est comme ça que tu pourras sur volume. C'est la question numéro 14. Alors, passons à la question numéro 15. Two bags contains beads. Ok. Alors, the first bag contains 7 beads. Nous avons deux sacs. Nous avons une beads, une canette, si tu as envie. Alors, un sac numéro 1, sac numéro 2. Alors, sac numéro 1, il y en a 7 beads. Il y en a 3 qui rouges, ça veut dire 4 mises à blanc. Et que ça là, sac numéro 2, il y en a 5 beads. Il y en a 2 qui rouges et 3 qui bleus. Ok, ça c'est les deux sacs. En tout, il y en a 12 beads. Alors, c'est la question ici. One bead is taken at random from each bag. Ça nous prend un bead de chaque sac, un par un. Ça, c'est nous, tree diagram, fin de nous. Alors, heureusement, nous finissons fin de nous, tree diagram.
Vous allez signer ça. Question numéro 1. Nous avons quoi de la sens la probabilité qui bouffe beats à red. Alors, très simple. Nous avons rouge et rouge bouffe red. Alors, commencez pas. 3. Alors, déjà, red and red. Alors, red and red. Right? Alors, red, première fois, les photos. 3, le 7. D'accord? Quand on a n, nous allons multiplier. Red encore, fais-toi, dès le 7, dès le 5, sorry. Dès le 5. Réponse, fais-toi, 2, 3 fois 2, fais-toi, 6. 7 fois 5, fais-toi, 35. C'est réponse, partie A. Ah, c'est partie B. Blue for white, tous les deux blancs. Alors, nous venons, white and white. Commencez, white and white. Alors, premier rang, nous venons, 4, le 7. N c'est multiplié, mais ici malheureusement nous peinons en white. Ça veut dire niveau 0. Réponse fait un 0. À cette partie C, exactly one is red. C'est-à-dire seulement N est red. Alors nous avons constaté qu'il y a même possibilité de n. Nous avons red, N, blue. Ou nous avons white, N, red. Ça c'est nous deux possibilités pour ne pas faire ça. Le premier niveau, red and blue. Alors, red, niveau 3 le 7 fois 3 le 5, blue. Alors, 3 le 7, n c'est multiplié. 3 le 5, c'est blue. Ah, c'est O, c'est ajouté, bien sûr. White, c'est 4 le 7, d'après nous, diagramme. Et red, c'est 2 le 5. Simplifier un problème. Premier, fais-toi, 9. 3 fois 3, c'est 9, le 35. Plus 4 fois 2, c'est 8, l'eau 35. Astère, 9 plus 8, c'est 17, l'eau 35. Réponse C, 17, l'eau 35 pour partie C. À cette question numéro 15. Astère, passons à question numéro 16. You know? The heights of a sample of plants are were measured. Ça veut dire qu'une plante ne mesure de longueur. So height, so hauteur, plutôt, pas longueur. The results are shown in the table below and in the histogram. Ça veut dire, nous mesurons la longueur. Ça, c'est fréquence, c'est le nombre de plantes. Par exemple, comment tu peux lire des valeurs là? Tu peux dire, fréquence, c'est le nombre de plantes. Il y en a 15 plantes qui sont hauteur entre 5 et 10. Il y en a 25 plantes qui sont hauteur entre 10 à 15. C'est comme ça qu'ils nous lisent la valeur là. Ah, c'est ici, nous avons ce histogramme aussi. Partie A, servi sur histogramme, rôle valet de P. Alors très simple, valet de P c'est ça, c'est sur frequency. So something we have to know here is how do we usually find or draw a histogram. So to draw a histogram, we need to find the frequency density. So what is the formula for that? So frequency density is equal to frequency divided by the class width. Now, what is the class width? Class width is the class here. So 10 minus 5 is 5. That's the class width. 15 minus 10 will be 5. Class width. 25 minus 15, that will be 10. That's the class width. D'accord? Et que, finally, finalement, 40 retiré 25, c'est 15, c'est le class width. Ça veut dire, nous servi nous understanding de frequency density, la course on a un histogramme ici pour nous servir ça pour le valet de P. Alors, P c'est souvent le frequency, c'est le valet de F ici. Alors, par exemple, nous connaissons le valet de frequency density, les 4 pour un class width là, entre 15 et 25. Entre 15 et 25, sur le valet de frequency density, les pour 4. Alors, nous connaissons 4 sur le valet de FD égale frequency, c'est P nous va connaître. Le class width c'est 10. Ça veut dire, nous cross multiply P fait-toi, valeur de 40. Alors, question partie A, valeur de P c'est 40. À cette partie B, nous allons compléter le histogramme. Alors, très simple. Complète. Dernière partie. Le class width c'est entre 25 à 40. Alors, 25 à 40, 40 est là. D'accord. Class width c'est 15. Alors, frequency density égale frequency, c'est 30 divisé par
Class 8, c'est 15. Plus tard, valet de 2. Alors, entre 25 à 40 sur F délit, vous avez 2. Alors, ici. Bien sûr, tu peux servir la règle pour te joindre ça là. Tu joindre ça. Avec ça, pour nous former nous, histogramme. Alors, c'est question pour Tibé. Complito, histogramme. C'est passons à question numéro 17. Sabinois, protracteur, compas. Alors, question numéro 17. The diagram shows the positions of three boats, A, B, C. Déjà, ici, nous avons trois bateaux, A, B avec C. D'après nous, diagramme. Question numéro 1. By measurement, vous avez mesuré. Find the bearing of B from A. Le bearing de B depuis A. Très simple. Alors, pour nous rendre nos bearings, pour mes affaires, nous faisons nous dessine-nous North Line. Il y a un North Line ici. Dessine-nous North Line ici. Alors, quelle langue est-ce qu'il nous peut essayer de roder? Alors, c'est le bearing de B depuis A. Alors, depuis A, depuis ici, nous avons cette langue-là. Nous avons fait ça jusqu'à nous tous valer de B. Alors, on cette langue mauve là. Alors, pour nous mesurer A, nous sommes capables de mesurer ça là d'abord. Pour si nous comprenons, un cercle entier c'est 360. Si nous mesurons A, nous sommes capables de faire 360, retirer ça, nous obtenons ça comme résultat. Alors, nous mesurons ça. Alors, nous observons nous. Instrument, nous mesurons ici A nous centre. Ça fait toi. Après, mon management, nous montrons toi, il faut 30 degrés. Ça, les 30. Ça veut dire. Ça m'ouvre là, les bizarre. 360, retirer 30, fais-toi 330. Vas-y, partie A. Restez partie B, nous là. CX is a bisector of the angle ACB. Alors, CX, c'est le bisector de l'angle ACB. Alors, ça veut dire, ça, la ligne CX, il divise l'angle là exactement en deux parties. Ça veut dire. Ça avec ça, les deux appareils. Deux parties égales, c'est ça un bisecteur d'une langue, par définition. Alors, c'est une question qui dit: Using a compass and a straight edge only, ça vient de la règle, c'est en vie. Construct the locus of points inside d'un triangle ABC qui est equidistant depuis C avec B avec C. Ça veut dire, nous allons dessiner un N perpendicular bisecteur. Of line BC. Ça veut dire la ligne droite qui passe midpoint de BC à 90 degrés. Alors BC c'est ça. Alors comment tu dessines N? Perpendicular bisector. À ce stade, tu dois comprendre si tu as vu que tu full mort, tu dois montrer ton work. C'est très important. Alors c'est VN, compas. Tu dois commencer dans le côté. Point B, mais il y a une length qui est plus que la moitié, BC. Là, c'est un arc, ici. Et ici aussi. Et là, avec même longueur, dans le côté point C, nous avons besoin d'intersecter nos premiers arcs ici et nos deuxièmes ici. Et que finalement, nous prenons deux points d'intersection. Nous avons besoin de ça pour nous former nous. Perpendicular bisector. Merci de nous avoir fait attention parce que quelqu'un me demande toi. La ligne inside du triangle ABC. Inside, ça veut dire ça, nous vous skipper. Ça ici, inside du triangle ABC. Alors, ça c'est question, partie N, done. C'est partie 2. A ship is nearer to AC than to BC. Quelle condition les morales d'un bateau les plus près avec AC qui BC. Alors, PC, il est pour bizarre. Là. AC, il est pour là. Ça veut dire, bateau là, il est plus près avec AC, il est bizarre. Plus près, d'un côté là. D'accord? Parce que, ça, la ligne là, il divise dans là exactement en deux parties. Et qu'il y a une indication. Côté nous bizarre, était pour nous plus près qui avec A, qui avec B. Par exemple, le bateau là, il est plus près qui avec AC, il est bizarre. Par un côté là, d'un côté là. Tu comprends? Alors, c'est une deuxième condition. Il est bizarre, plus près avec C qui B.
Alors, plus près qu'ici, c'est pas là. D'accord? Nous avons là et pas là. Et combien de les deux nous gagnons une région pas ici? Ça, c'est nous. Il y a qui nous achète pour de réponse pour B de question 17. Bon, c'est à passer en question à numéro 18. Il y a une distance time graph. Distance et time graph. OK. The diagram is a distance time graph of Safira's journey from home to a shop and back again. So, ça veut dire ça ici. Home. Home. Then, from home, de quitter la case. Il y a le débit. Shop, c'est à la ligne ici là. Shop, c'est là. Et ensuite, il retourne la case. C'est une journée de Safira. Astia, she leaves home at 8h15. Il retourne la case à 8h50. Ok. Astia, Portia, how many minutes does she stay in the shop? Alors, combien de temps il reste dans le magasin là? Très simple. Pour observation, nous trouvons qui? Il arrive au magasin à aller là. Il reste jusqu'à aller là. Ça veut dire ça, retirer ça. Alors, 8h35, retirer 8h30, putain, 5 minutes. D'accord? Astia, Portia. Astia, Portia, B. At 8:30, her brother leaves home and goes to the shop. Ok, ça veut dire à 8h30, son frère, Safira, son frère, il quitte la case et qu'il a le magasin ici avec la même vitesse de Safira. Ok, très simple. À cette question, partielle. On the grid, draw the graph of his journey to the shop. Alors, très simple. Et ça fait, nous allons comprendre ici, c'est que. Quand on a une distance time graph, ce gradient, c'est speed de Hajimuna. Ça veut dire la pente de notre graphe, c'est speed. On écrit ici, quand on a une distance time graph, le gradient, c'est ce speed. Ok? Alors ici, nous connaissons qui? Safira's brother goes to the shop at the same speed, au même vitesse que Safira. Ça veut dire. Ne peut pas faire depuis 8h30 ici. Ça c'est Safira, mais ne peut pas translate ça. On amène ça jusqu'à 8h30 ici. Mais le concept c'est juste qu'il nous gagne même la pente qui Safira. Alors ça veut dire top gain forme comme ça. Ah. Un peu comme ça. Ça c'est Safira's brother. Okay, ça c'est pour tirer à ta question. Merci. Bien sûr, tu ne peux pas mesurer pour te faire pour te confirmer qu'il est exactement même la pente, mais de trouver, tu ne peux pas trouver qui dit même la pente. C'est ça que tu as besoin de montrer pour te faire question partie A. Astia à partie 2. How far is he from the shop when he meets Safira? Alors, très simple. He meets Safira, un point ici là. How far is he from the shop? La distance depuis magasin, il prend le temps. Alors ça c'est 800, ça c'est 1200. Distance, il vous fait 1200, retirez 800, faites 400. Alors distance, il prend 400 mètres depuis magasin là. Quand les zones se serrent. Ok? C'est passons à la question numéro à partie C. Calculate the speed Safira walks to the shop. Alors, très simple. Nous comprenons qui, quand on a une distance time graph, speed c'est ce gradient. Alors, Safira, Moss, high speed là, puis il y a ce magasin. Nous avons ça la pente là. Alors, nous faisons, comment on a de la pente? Donc, on a des points de faire un gradient. Ou nous avons cette méthode de right angle triangle. Les up to you, comment on le dit, tu choisirais qui mettait tout pour sa vie. Là, par exemple, ici, nous avons dit, forme un triangle ici, par exemple. Voilà, ça c'est mon grand triangle. Mon right angle triangle. Ah, ça c'est mon goal, c'est road gradient. Road de la pente, ça, la ligne là. Ici là. À ce height. La speed. Il est bien sur height. Ce height, c'est le temps. C'est 1200. Divisé par ce base, c'est 8h30. Retiré 8h15. C'est 15 minutes. Alors ce speed, c'est. Speed, c'est
1200 mètres divisé par 15 minutes. Merci, nous a donné une réponse en termes de kilomètres par l'étang. Alors, sans rien pour elle. Comment tu convertis mètres pour 1 km, nous connaissons. 1000 mètres égale 1 km. Alors, pour convertir mètres pour faire les 1 km, tu peux diviser par 1000. Alors, fais-toi. Là-haut, fais-toi 1200 divisé par 1000 km. C'est en bas. Nous connaissons un temps égale 60 minutes. Ça veut dire que si tu avais converti minutes pour faire les 1 heure temps, hours, tu peux diviser par 60. Alors, 15 divisé par 60 heure temps. Simplifié. Ça a coupé, ça a coupé, ça a coupé, ça a coupé. Ça a coupé 1, fait à 4. Et ça fait à combien? 10, 1.2. Fais-toi 1.2 divisé par 1 long 4. Fais-toi 1.2 fois 4. Alors, réponse 1, 4.8. Alors, réponse, ce speed en termes de kilomètres par l'état fait à 4.8. Ça, c'est réponse partie C, question numéro 18. C'est passons en question numéro 19. Ça, c'est une question de transformation. Alors, ici, il y en a. Triangle A and triangle B and the point P are drawn on the grid. Ça veut dire, l'on dessin, il y en a triangle A, triangle B et point P. OK? À cette partie, hein? Describe fully the single transformation that maps A onto B. Ça veut dire, describe cette transformation-là qui une fait A une B. Alors, nous ne pouvons pas faire par élimination. Par exemple, nous connaissons 4 transformations possibles dans papier 2, papier 1, papier 2. Numéro 1, c'est N, translation. Numéro 2, c'est N, rotation. Numéro 3, c'est N, reflection. Et que numéro 4, c'est quoi? Enlargement. Alors, par élimination, bien sûr, ça n'est pas possible parce qu'il sur une direction sans Z, tu vois. Ça n'est pas possible parce qu'il se sert pareil pour l'instant. Et que nous la soit entre rotation et reflection. Rotation et reflection. Mais ne pas trouver par observation, c'est ça l'hypo, évidemment, and reflection. Parce que si tout ne passe comme ça, tu peux trouver, comment dire, ça c'est un miroir, nous reflétons halo là, nous regardons ça. Très simple, je l'écris. Réponse partie A, nous faisons par élimination. Fais-toi, il fait toi and reflection. In the line. La ligne de x-axis, in the line y equal to 0, on va écrire in the x-axis. Plus simple que ça. Alors, réponse, ça c'est n point, reflection, et the line c'est x-axis. Ça question partie 1. À cette question partie 2, write down the matrix that represents this transformation. Alors, si tu ne te rappelles pas, ok, on ne peut pas dériver, comment nous faire? C'est étape par étape, bien sûr. Par exemple, nous commençons par dessiner nos axes. New y-axis et new x-axis. Dessine-nous 4 points. On commence par là avant. Ça, c'est nos points. N0. Ça, c'est nos points. 0n. Ça, c'est nos points. 0 moins n. Et ça, c'est nos points. Moins n, 0. Alors, tout le temps, nous commençons par un point ici, là. Alors, si nous réflexe à point là, le x-axis, d'accord? Nous prenons ça en place, d'accord? Parce que les deux le la ligne, n'est pas bougé. Ça veut dire que le premier point ici, là, l'hypo, reste pareil, N0. Et que si nous réfléchissons à ce point-là, le x-axis, tu vois qui? Ce point-là, l'hypo vient de ce point-là. Alors, le point ici, là, nous faisons 0 moins N. Alors, nos matrices qui représentent une réflexion, le taux x-axis, tu fais toi N0, 0 moins N. D'accord? Étape par étape, nous ne pouvons pas avoir de ça. À cette partie B. Triangle A is mapped on two triangles C. Un triangle A, nous map ça, un triangle C. Un sens A, nous faisons C. À cette transformation, c'est un enlargement. Centre la ligne, P. Exoscale factor li, minus half. Alors, très simple. L'étape numéro 1, ce qu'il nous a fait, c'est, donc bien sûr, d'observer le crayon, nous allons prendre le triangle A, ce bon, vertices, nous zone avec P. L'étape numéro 1. Ça zone avec P. Continue. Et que ça zone avec P. Continue.
I said, nous connaissons qui ce scale factor li minus half. I said, minus c'est juste une direction. Puis j'ai toi qui, quand on a minus, ça veut dire nous point de enlargement, nous centre d'enlargement, il est au milieu de nos objets et nos images. C'est ça, c'est tout. Le minus, ça veut dire que nous objets, il est nos points de enlargement, il est au milieu de nos objets et nos images. C'est ça, ça veut dire le minus sign. Mais à ce half, nous devons faire arriver la moitié. Par exemple, ici, l'idée d, d fois half. Alors, 2 fois half, fais-toi, n. Alors, 2 le bouvin n. Alors, nous mettons ici, 2 ici, n, du coup là, exactement. Tu vois, il y en a un seul square ici. J'ai un 2 ici avant, il y en a un seul là. D'accord? À ce pareil, comme ici, nous avons n, d, 3, 4, du bouvin 2. N2, les pouvins là. On les joint là. Bien sûr. Ça, pouvins ça. Triangle là. Ça, c'est le triangle de enlargement. Facteur de minus half. Et point P comme le center of enlargement. Ça, c'est question. Partie. Partie AB de question 19. Alors, passons à la question numéro 20. C'est une question de sequence, comment le trouver? The diagram shows a sequence of patterns. N, D, 3, 4, ok. Each pattern has one more row and two more dots in each row. Ok, than the pattern before. Par exemple, ici, Nuna has one more row. Alors, Nuna, combien de row? N, 2. So, one row, two row. Next one, nous prenons 1, 2, 3, one more row, 3. Par exemple, prochaine fois, nous prenons 4, 1, 2, 3, 4. Prochaine fois, nous prenons 5, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? It has two more dots in each row. Ça veut dire que nous commençons à increase nos bandes dots par 2. Nous avons un seul dot dans un row. Augmente par 2, nous prenons 3, alors 1, 2, 3. Augmente par 2, nous prenons 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, par exemple, si on peut dessiner ça là, nous essayons. Alors, nous augmentons, nous, row par n. Alors, nous prenons. Maintenant, commençons ça ici, par exemple. Nous prenons 1, 2, 3, 4. Nous ajoutons n, limite 5. Commençons les chaînes comme les chaînes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on fait les pareils. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous on fait les pareils comme avant. N, D, 3, 4, 5, 3, 4, 5, N, D, 3, 4, 5, N, D, 3, 4, 5. D'accord? La scène d'ouvrir qui nous augmente le numéro de dots par 2 dans chaque row. Alors, commence, augmente par 2, par 2. Vous avez une 7 dans chaque row. Ça, c'est. Alors, c'est en fait N, D, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça, c'est rempli. Malheureusement, on fait une erreur là. Parce que nous avons augmenté par 2. C'est en plus. Ça, c'est pour pattern numéro 4. Ok, alors très simple. C'est étape par étape. Nous restons faire. Alors, ça, c'est bien sûr pas bon. Parce qu'il nous supposait augmenter par 2, pas par 4. Alors, par 2 dans chaque row. Ça, c'est le pattern numéro 4. À cette nous avons une idée comment nous faire. Nous allons continuer avec nos questions. À cette partie-là, complete diagram 4. Ben, nous devons les bouts comme ça. Les bouts, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 rows. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dots dans chaque row. À cette question, partie A donne. À cette partie B, complete the table for the first 4 patterns in this sequence. Alors, nous allons compléter la table. Alors, pattern numéro 1, nous avons le number of rows, nous avons 2, 1, 2. Pattern numéro 2, le number of rows, nous avons 3, 1, 2, 3. Pattern numéro 3, le number of rows, nous avons 4, 1, 2, 3, 4. Alors, pattern numéro 4, number of rows, 1, 2, 3, 4, 5, alors 5. Très simple. Si fais comme on dit, tu prends un pattern N, ce number of rows, il peut guider. Très simple, il peut. Quand on a 4, il peut 5. Quand on a 3, il peut 4. Quand on a 2, il peut 3. Quand on a N, il peut N plus 1, ce number of rows. D'accord?
STF, ça là. Number of dots in each row, comment c'est qu'on lit n? On lit n. Ok. Quand on lit 2, on lit 3. Quand on lit 3, on lit combien? N, D, 3, 4, 5, on lit 5. Et quand on lit 4, on lit N, D, 3, 4, 5, 6, 7, on lit 7. Nouvelle line sequence là, chaque fois les bugs augmentent pas le montant de 2. D'accord? Plus 2, plus 2, plus 2. Alors, on va faire n sauce n thème. En thème de n pour ça, là, très simple. On colle ici, nous formera ici. Donc, on a le premier thème, les n. Deuxième thème, les 3. Troisième thème, les 5. Quatrième thème, les 7. Alors, cinquième thème, par exemple, les bouts, les bouts 9. Chaque fois, il augmente pas. Plus 2, plus 2, plus 2. D'accord? On écrit 2n pour l'instant. Alors ça, par exemple, j'ai first term, comment il est? First term, il est pour 2. Quand n est ici, first term, il est n, égale 2. Mais malheureusement, réponse là, il est en fait n, d'accord? Mais comment tu sens 2 fait n? Vous avez retiré n, fait n. Pareil, retiré n ici. Alors, ton n term ici, il est pour faire 2n, retiré n. Alors, c'est une formule là, bien sûr, donc on va servir ça. Sequence pour n, AP, arithmetic progression. Il est très simple. The n term égale A plus D n minus 1. D'accord? Si tu connais ça, tu vas faire, tu vas servir ça. First term, les n. D'accord? Common difference, les 2. Et n minus 1. N minus 1, c'est n minus 1. Fait combien? N plus 2n minus 1. Oh, c'est 2 ici, sorry. Minus 1. Alors pareil, il fait ça, 2n minus 1. Ça continue avec une question. Total number of dots. Alors ici, il y a 2. 2 fois n, 2. 3 fois 3, 9. 4 fois 5, c'est 20. 5 fois 7, c'est 35. Ça, c'est PQ. Fait ça, n plus n fois 2n minus 1. Ça, c'est réponse partie en bas, pour de table. C'est partie 2. Nous find an expression in terms of n for p. Très simple, c'est n plus 1 qu'on doit trouver. For q, c'est n minus 2n minus 1. Ok. C'est partie 4. Find an expression in terms of n for the total number of. Pareil, très simple, nous finissons de trouver ici. Il fait quoi? N plus 1 fois 2n moins 1. C'est la question, bien sûr, question sequence. La plupart du temps, nous servir nos observations, nos sens d'observation pour nous faire une question. Hein. Et vraiment, les très simple, nous avons compté n pour n, nous trouvons qui est arrivé ici par exemple, plus 2, plus 2, plus 2, il y a une sequence. Et qu'est-ce que nous trouvons? D fois n fait 2, 3 fois 3, 9, 4 fois 5, 20, nous devons observer pour connaître, pour guetter qu'ils ont fait, ils font même pattern. Et nous sommes capables de dériver en termes de n, et là, finalement, nous aurons nos réponses. Ça, c'est question numéro 20. C'est passons à la question numéro 21. The diagram shows a triangle formed by joining the points A, B and C. Ça veut dire, dans nos diagrammes, nous restons formés un triangle A, B avec C. Point A, point B avec point C, nous les avons. À cette question, c'est the equation of the line BC égale ça. Ça veut dire l'équation B avec C, ça, 2x. Plus 3y égale 32. OK? The region inside triangle ABC is defined by three inequalities. Trois inégalités. Alors, la région à l'intérieur en dans triangle ABC est définie par trois inégalités. N des bornes d'inégalité, c'est ça. Alors, très simple, tu trouves qui? Les bizarres. Less, ça c'est signe de less. Ça est en bas. Ça là, une line là. Alors, très simple, ça c'est N. Done. As I write down the other two, alors très simple, pour nous réussir les restes de l'inégalité, nous observons l'équation dans la ligne de AB, équation dans la ligne de AC. AB c'est très simple, tu trouves qui? So y value here, li 2 et 2. Ça veut dire l'équation ici là, l'ibzen, la ligne horizontale de y égale 2. Tu trouves qui? La région à l'intérieur, l'ibzen, là-haut, cette ligne là, ça veut dire y, li plus que 2. D'accord? Ça c'est partie n. Assez partie l'autre là.
Nous avons l'équation de la ligne de AC. Comment on le retient? Il y a 10 points. Nous avons ce gradient. Gradient de AC, c'est y2 moins y1. Le x2 moins ça, c'est à 2. Nous avons un gradient, nous avons un passing point, donc par l'équation. Alors, vecteur y moins 2, le x moins n égale 2. Alors, y peut égal 2x. L'équation, ça l'en a, y. Dit combien? Dit y égale 2x. Mes régions à l'intérieur, tu veux lire, en bas, ça, la ligne là, ça veut dire les besoins moins. Alors, y, li less than 2x. À cette partie A, ta réponse. À cette partie B, the point K avec 7, where K is an integer, a whole number, li à l'intérieur, li en dans le triangle ABC. Rodman possible valeur values plus qu'il valeur de k. Alors, c'est-à-dire, nous avons values of x, y, x coordinate avec son y value. So, y, il fixe les 7, par exemple, ici, nous prenons. Bien sûr, ça c'est 8. 4 et 8. Son valeur maximum de triangle là, c'est 8 ici. Mais 7, il peut vous environ ici, par exemple. Il besoin fixe, d'accord? 7. Ah, c'est y égale 7. Allez, une fixe. Mais nous connaissons. Nous prenons le même point, ici, 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 ici par exemple, à travers nous, la ligne, et nous avons le même point qui est à l'intérieur de notre triangle. Alors, comment on voit ça? Par trial and error, par exemple. Donc, on a ça pour l'ellipse n, parce que ça c'est n2, l'ellipse n. Ça c'est 13, 2, l'ellipse 13. Alors, le point qui est dans l'ellipse entre 2, à 13. Là, nos possibles valeurs de K, qui sont capables de 2, 3, 4, 5, allez, même jusqu'à 13. D'accord? À cette observation, vous trouvez qu'il y a un point au commencement du bout de haut de toute façon, et un point après du bout de haut de toute façon. Donc, c'est un point qui est un peu plus proche. Alors, nous ignorons ça, ignorons ça, ignorons ça, ignorons ça, ignorons ça, ignorons ça, ignorons ça. Donc, c'est un point qui est ici là, par exemple, donc, c'est un point là, ça point ici là. Ça point ici là et que ça point ici là. Ça c'est point de, par exemple, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, tester si pour là on en soit des hauts. Alors, n pour n, quand valeur de x, les 3, l'aura line là, line de x égale de y égale de x, on place ça dans 2 fois 3 c'est 6, ça veut dire quand ça pour 3, ça les 6. Alors, évidemment, ton point 7, les bouts des hauts, n'est pas pour bon. Quand ça dit pour 4, là 2 fois 4 c'est 8. 8 dit pour là-haut, ça veut dire ça point là, dit en dedans. Alors un point possible dit pour 4, 7. Point 4, 7 dit pour en dedans triangle là. Très bien. Ça point ici là, 5, checké, dit pour le saline là. Alors on place x par 5, t'as pour gagner 10, 3y égale 21, alors y peut égal, soit 22, y peut égal 7 points quelque chose. Ça veut dire, ça point ici là, l'époux, à l'intérieur, parce que ça va laisser là-haut 7. Ça veut dire, en donc, ça point là, l'époux besoin 7. T'es d'accord? Parce que, nous réalisons qu'il y a un point ici là, l'époux environ 7 points qui chose. D'accord? Ça veut dire, ça point là, 5, 7, l'époux besoin en bas, l'époux besoin en donc. D'accord? C'est-à-dire, un autre point possible, l'époux besoin 5, 7. Check ça point là, 6, regardez. Alors quand x peut égal 6, 2 fois 6, c'est à 12, 3y peut égal valeur de 20. Alors y peut égal valeur de 6,9. On a fait comme ça. Alors ça point là, les pour 6,9, une valeur comme ça veut dire ça point 7 là, les pour des hauts. Alors seulement deux valeurs possibles, les pour à 2 là. Deux points possibles, c'est 4, 7. Et 4, 5, 7. Alors, valeur de K possible pour valeur de 4 et 5. Alors, question, nous faire pas de trial, mais aussi par observation. C'est méthodologique aussi pour faire la question là. À cette question numéro 21. Okay, passons à question numéro 22. In the diagram, A, B, C, D, and E lie on the circle. Ça veut dire point A, B, C avec D, E, zut, l'eau a cercle. Centre O, bien sûr. Assez longue de A au B. A au B, c'est 48. Okay. D, E, B.
DEB, c'est 54. OK? Question pour Tia. Route longue de X. X, c'est sa longue ici, là. Alors, étape par étape, bien sûr. Nous réaliser qui OA, c'est radius. Mais aussi OB, c'est aussi radius. Ça veut dire longue ici, là, et longue ici, là, pour plus appareil. Ça, c'est pour X. Mais si vous avez un triangle OAB, il faut un triangle. Et ça, nous connaissons que sum of all the angles d'un triangle, c'est 180. Ça veut dire 48 plus x plus x plus 2x. Nous supposons gagner 180. À cette étape par étape, nous sauvons pour avoir 2x. Alors 2x fait 180, retirer 48. Et toi? 100. Alors fais-toi combien? 2 pour d'ailleurs. Fais-toi 732. 132. Alors x, fais-toi 132 divisé par 2. Fais-toi 6,2. Alors valeur de x, attends. Alors, sorry, ça c'est 2 coupé n, 6. N, ça c'est 6. 6, 6. Longue de x, c'est 66. Partie A. À cette partie B, nous avons le valeur de y. Alors, y est très simple. Pour observation, nous trouvons qui? Y, c'est angle at center. Et que ça, c'est longue de at circumference. Nous connaissons que longue at center, pour une théorie, nous avons ça. Angle at center is always, c'est tout le temps deux fois longue de circumference. Ça veut dire y. Libza égale 2 fois 54. Fais-toi n08. C'est partie B. N08. À cette partie C, route longue de Z. Z, c'est longue ici là. Très simple encore une fois. Nous observons une là, un shape de E, B, C, D. À ce quand nous avons un point tous nos circles, d'accord, nous avons tous nos circles, et que nous shape un quadrilatéral. D'accord, E, D, C, B, E, c'est un quadrilatéral, d'accord. Nous avons connu qui, selon opposé, opposite angles, nous avons add up to 180. C'est une propriété qui nous a connu, pour cyclic quadrilatéral. Ça veut dire 54 plus Z, si posé d'un toit, 180. Ah, c'est, il y a des conditions qui nous a connu, qui, ben, point là, nous avons tous, nous, même vertices, nous avons tous, nous, circle, et que vous avez 4 sides n, d, 3, 4, c'est un quad, d'accord? Assez z pour égal 180, retirer 54, fais-toi 6, 2n, 126, alors l'angle de z c'est 126. Ok? Alors ici, théorie, nous vous connaissons, c'est angle at center égale 2 fois angle at circumference. D'accord? Ça, c'est la théorie que vous connaissez ici, là. Assez, passons à question numéro 23. So, in the diagram, the circles with center O and Q touches at P. Ça veut dire, nous avons un dessin, nous avons un petit cercle ici, center O, un grand cercle, center Q, de tous ces coups de point P. D'accord? As here, where OPQ is a straight line, c'est-à-dire OPQ, c'est la ligne droite. Ici, la ligne droite. OK. The line ORT intersects the smaller circle at R. Ça veut dire, la ligne ORT les tous, nous, petit cercle, at T, at R. Et que les tous, is a tangent to the larger circle at T. Il y a une tangent avec ça, grand cercle là. Mais assez nous connaissons qui, si nous avons une tangente avec notre grand cercle et que pour là, il est tous avec le centre, nous connaissons ça, c'est un long de 90. Okay? Ça, c'est une théorie qui nous connaît. Quand on a une tangente et que ça point ici, là, il est tous avec le centre, il faut besoin 90. Okay? À cette question, nous avons OR égale 4, RT égale 6. Alors, ça, c'est 4 x 6. Okay? The radius of the largest circle is x. Ça veut dire radius du grand cercle là, l'ibza x. Alors ça veut dire ici, PQ also, l'ibza x, et OP, l'ibza 4, because the radius du small circle là. D'accord? Assez, nous avons le valeur de x. Assez par observation, nous réalisons une affaire.
So observe a triangle là. Nous tirons des hauts, on gagne un triangle. Ça, O, T, Q. D'accord? A, c'est Q, O avec T. Ça, c'est 10. 90 ici. Ça, c'est X. Et ça, c'est 4 plus X. Alors, on va former une équation avec ces trois valeurs-là. Parce qu'il y a un right angle triangle. Donc, on tous les trois sides, on va servir Pythagore's théorème. Par exemple, on va dire 10 squared plus X squared égale à side square là pour le Pythagore's théorème. Simplifier, on gagne 100 plus x square égale 16 plus 8x plus x square. Simplifier, ça avec ça, vous cancel. D'accord? 8x vous égale 100, retirer 16, alors 8x égale 84. X fait 1, 84 divisé par 8. Divisé par 4, tu gagnes 2. Divisé par 4, tu gagnes combien? Tu gagnes 2 ici, avec n. Alors 21, l'autre 2, fais-toi 10,5. Alors valeur de x, fais-toi 10,5 cm. C'est question numéro 23. C'est passons à question numéro 24. De la matrice A, 2 moins 3, n moins 2. Rôle valeur de A square. Nous devons connaître, c'est A square, c'est A fois A. Alors, ça fait toi 2 moins 3, n moins 2, fois A, 2 moins 3, n moins 2. C'est rows by column, 2 fois 2, c'est 4, n fois moins 3, c'est moins 3. Rows by column, 2 fois n, c'est 2, n fois moins 2, c'est moins 2. Rows by column, c'est moins 6, plus 6. Rows by column, c'est moins 3 plus 4. So, finalement, tu peux valer 2, n 0, 0 n. C'est réponse partie A pour A square. À sa réponse partie B, nous observons une matrice de X ici. Comment nous faire ça? Tu réalises cette matrice-là? C'est en fait A. Alors, par exemple, nous prenons X fois A peut égale 0, 2. Alors, pour dérouter x, nous éliminons a. Comment tu peux faire? Nous allons faire x, a. Nous allons faire rapport à inverse. Des côtés, bien sûr. Comme ça les pour aller. Et alors, x peut égale 0, 2 fois a inverse. Nous aurons une matrice de a inverse pour nous réussir cette réponse-là. Dans la n pour n, comment tu a inverse? Nous aurons sur la déterminante de a, c'est 2 fois moins 2, c'est moins 4. Retirer. Moins 3 fois n, c'est moins 3. Fais-toi moins n. Adjoint matrice de A égale. Alors ça, nous sommes dans notre position. Moins 2 monte là-haut, 2 vient en bas. Sans ce signe, moins 3 vient 3. N vient moins n. OK? Et finalement, A inverse. Fais-toi. Adjoint matrice divisé par ça. Déterminante, tu gagnes 2. Plus n, moins 3, et moins 2. Alors, finalement, réponse x, fais-toi, 0, 2, fois inverse, fais-toi, 2, moins 3, n, moins 2. Alors, again, rows by column, 0 fois 2, c'est 0, plus 2 fois 10, fais-toi, moins 6, et que 0 fois n, c'est 0, 2 fois 10, fais-toi, moins 4. Alors, réponse x, c'est moins 6, moins 4. Ça, c'est matrice de x. La seconde affaire, c'est que nous devons comprendre. Par exemple, si tu peux être, tu peux non. A fois x égale 0,2. Comment tu peux le valeur de x? Nous devons éliminer A, bien sûr, mais nous devons pre-multiply par inverse. C'est A inverse fois A et inverse fois ça, par exemple. Alors, les points P différents, tu vois, x égale inverse 0,2 au lieu de ça. Okay. Il y a bien une différence. Alors, question ici, c'est bien sûr les simples. Step by step, tu peux gagner x, c'est moins 6, 4. Ça, c'est nos questions, numéro 24. Ça, c'est la dernière question de nos papiers. Papier de N2, 2020, novembre.